Alors, je vu qu'on veut se la jouer. Déjà, je vais vous faire un petit décryptage de cette équipe nationale des écervelés. Par qui pourrais-je commencer? Bah tiens, le gay. Alors moi, j'ai rien contre l'homosexualité. Au contraire, j'ai même des fans des gens qui m'apprécient, qui sont bien homo. Mais taper dans l'oignon, c'est pas mon truc. Ensuite, l'autre là, la velue, ok. Toi, tu vas te calmer vite fait parce que chaud, je sais pas quoi. Je veux plus t'envoyer des clients. Hein. Ouais, tu sais bien de quoi je parle. Donc, tu vas plus te faire défoncer la chenec, hein, comme je l'ai fait là quand j'avais envoyé. Tu connais qui j'avais envoyé. Et ensuite, les autres guignols là, vous, j'ai pas votre temps. Quant à votre baron, je sais pas, baronne, je sais même pas si j'étais rentré dans un délire de transe. Serre bien tes caniches, hein, parce que là, ça a commencé à grave m'énerver, mais sérieusement. Donc, tâche à bien serrer tes caniches. Ce que tu sais bien, ce que j'ai dans mon portable, si je sors, ça va pas être bon. Donc, arrêtez de m'entrer dans ce jeu-là, parce que ça va pas être bon du tout. Tu sais très bien. Tu sais très bien. Donc, au risque de te retrouver seul et de finir par faire un suicide. Stop là, moi je fais mon truc, fais ton truc et puis basta. C'est rien d'essayer de balancer des audios comme ça parce que quand ça chiale chez les gens, ça vient me supplier. Ça se passe pas comme ça. Et ouais, ça se passe pas comme ça. Et donc, pour toi et tes gens là, donc tenez-vous bien au carreau, sinon je vous assure que ça va mal se passer là. Machiro, ouais. Bien ou quoi? Tranquille, calme, t'as dit? En pleine préparation, toujours comme d'hab. Ouais, nous, chez nous, il n'y a que mais des c'est champions. Le poète. Yeah, man. Bouddha Mashuro, Masola Oyo, Randa Libela. Que des poètes ici, gros. Que des poètes. Ouais, les gens, ils sont là, ils font les malins. Hey. Si vous savez ce que j'avais, hein, au regret de vous retrouver, je ne sais pas où. Faites attention. Faites grave attention. Laissez-moi, je fais ma musique et puis, point, basta. Le film, il est fini. Pourquoi vous, vous savez pas dire stop, en fait? Le film, il est fini. C'est bon, j'ai pas le droit de rompre le contrat, c'est tout. Sert à rien. Il n'y a rien qui pourra déstabiliser. Si ça veut jouer au bail de je sors cet audio, je sors ça, on sait déjà c'est qui va être perdant. Parce que moi, je taille pas les gens. Moi, je taille pas les gens. Tu vois? Parce que là, vous pensez que j'ai pas une gueule pour parler, c'est vous. Hey, faites les pipelettes, mais t'inquiète pas, vous allez vite la fermer là. Vous allez vite la fermer. Si vous avez rien à branler, allez chercher un autre buzz. Moi j'ai fini avec vous, c'est tout. C'est simple. C'est ça la vie. Hein. Parfois tu sers d'escalier, souvent tu sers de pont, souvent tu sers de. Mais. Mettons, c'est fait, c'est fait. Chacun continue sa live et puis voilà, c'est tout. Si vous avez rien à faire, je sais pas. Non, mais est-ce que vous captez ou pas? Est-ce que vous captez ou pas? Tapez-vous un autre délire. C'est bon, j'ai compris, vous voulez bien me faire de la promo, mais pas jusqu'à ce point-là quand même. Parce que moi, ça va me taper au système et je vais sortir des trucs, ça va pas être bon. Hein. Ah ouais. Ah ouais, quand ça parle des gens. Et parce que moi, je vais citer des blazes. Hein. Je sors un truc, je cite un blaze. Hein. T'inquiète pas, j'ai les audios qu'il faut. Les mariages des gens, ils vont péter. Hein. Et les personnalités des gens, on va connaître c'est qui. Vous confondez sagesse. Et hypocrisie, moi je suis pas un hypocrisie, damn. Hey. Si j'ai envie de citer un blague, je cite. Maintenant, voilà. Quand t'es écarté là-bas, il n'y avait pas tout ça. Quand ça chalait, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, pourquoi il y a tout ça? Faites gaffe. Hein. Là, vous êtes en train de jouer sur un terrain miné. Là, c'est un terrain miné, je vous assure. Hein. Et puis, je pense même pas que si j'étais à Kinaster ici, vous aurez fait ça, parce que je vous aurais vite fait monter. Hein. Ah ouais, je vous aurais vite fait monter. Je l'aurais fait, j'aurais réglé ce cas personnellement. Je le dis bien. Vous. Hey,
Dormez au pire de cas. Dormez s'il n'y a rien à faire. Vous voyez? Dormez. C'est bon, vous n'avez pas fini de propager, de prôner la haine comme ça. C'est bon, là, vous avez déjà insulté tout le monde, vous avez déjà tout fait. Maintenant, vous êtes démodé. C'est pas à moi de vous le rappeler quand même. Vous êtes démodé, c'est fini. C'est fini. Trouvez autre chose à faire. Tiens, j'ai mon voisin qui a besoin d'un jardinier là. Ops. Dommage, vous êtes là-bas. Bon. En tout cas, occupez-vous. Occupez-vous. Parce que là, vous me faites la promo, mais là, je ne vais pas vous ralasser. Hein. On va faire comme d'habitude. Hein. Vous allez me payer pour. Toi, tu bouges ? Bah, moi, je vais vite fait capter. Je vais capter des bords là. Des bords ? Ouais. C'est ? Non, juste là, à la gare. Il est à la gare, il m'a dit qu'il va arriver à la gare. Toi, tu t'entraînes encore ? Je prends dans l'intérieur. Vas-y, gros, cool. Non, sérieux. Attendez juste, vous allez kiffer ma musique. Attendez, c'est tout, c'est simple. Et puis voilà. Ça me fait plaisir quand même, vous êtes là. Hein. C'est bien. Vous êtes là à me suivre, c'est bien, c'est déjà bon. C'est déjà l'essentiel. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, si vous voulez vraiment emmener le délire loin, je vous jure que moi, je suis partant. Hein. Là, je suis partant. Hein. J'attends, si vous voulez, qu'on emmène ça loin, on y va. C'est simple. Et puis, vous inquiétez même pas que moi, je suis déjà paré. Donc, je vous invite à vous rendre dans une bibliothèque ou bien dans une école d'analphabète pour essayer un peu de vous... Vous voyez, parce que là, ça devient chaud, ça devient vraiment un problème de... Là, tu vois. C'est moutou. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Il y a quoi de compliqué là-dedans? Il n'y a rien de compliqué. Mais comprenez, dis donc. Oh, c'est quoi ce bordel? Oh là là. Oh, c'est bon. Là. À croire que c'est des maîtres suprêmes ou c'est je sais pas quoi. Oh là là. Grosse galère. Hein. Bon, moi j'ai fini avec vous en tout cas. Si vous voulez continuer, vous inquiétez pas, on va bien s'amuser. Mais sinon, le prochain son il arrive déjà. Hein. D'ici peu, le prochain son il arrive. Donc, faites comme d'habitude. Cliquez. Commentez comme vous voulez, faites-vous plaisir. Vous êtes ici pour ça en tout cas, donc faites-le. N'hésitez pas, venez beaucoup, cliquez, c'est très important. Et le prochain son s'appelle Daba, parce que je l'ai Daba. Allez, dodo, allez dormir, bande de vermine. Alors. J'ai vu qu'on veut se la jouer. Déjà, je vais vous faire un petit décryptage de cette équipe nationale des écervelés. Par qui pourrais-je commencer? Bah tiens, le gay. Alors moi, j'ai rien contre l'homosexualité. Au contraire, j'ai même des... fan des gens qui m'apprécient, qui sont bien homo. Mais taper dans l'oignon, c'est pas mon truc. Ensuite, l'autre là, la velue, ok. Toi, tu vas te calmer vite fait parce que chaud, je sais pas quoi. Je veux plus t'envoyer des clients. Hein. Ouais, tu sais bien de quoi je parle. Donc, tu vas plus te faire défoncer la chenèque, hein, comme je l'ai fait là quand j'avais envoyé. Tu connais qui j'avais envoyé. Et ensuite, les autres guignols là, vous, j'ai pas votre temps. Quant à votre baron, je sais pas, baronne, je sais même pas si j'étais rentré dans un délire de transe. Serre bien tes caniches, hein, parce que là, ça a commencé à grave m'énerver, mais sérieusement. Donc, tâche à bien serrer tes caniches. Ce que tu sais bien, ce que j'ai dans mon portable, si je sors, ça va pas être bon. Donc, arrêtez de m'entrer dans ce jeu-là, parce que ça va pas être bon du tout. Tu sais très bien. Donc, au risque de te retrouver seul et de finir par faire un suicide.
Stop là, moi je fais mon truc, fais ton truc et puis basta. Sert à rien d'essayer de balancer des audios comme ça, parce que quand ça chiale chez les gens, ça vient me supplier, ça se passe pas comme ça. Mais ouais, ça se passe pas comme ça. Et donc, je vous invite à vous rendre dans une bibliothèque ou bien dans une école d'analphabète pour essayer un peu de vous. Vous voyez, parce que là, ça devient chaud, ça devient vraiment un problème de là, tu vois.